premier exercice, simplifiez au maximum l'expression suivante. Donc nous avons a puissance 9, le tout à la puissance moins 4, fois a puissance 5, divisé par a au carré, a puissance moins 7, le tout à la puissance 7. Donc nous utilisons bien entendu les règles que nous connaissons sur la manipulation des puissances. Pour ceci, nous nous aidons des propriétés des puissances que nous connaissons. Et donc, nous pouvons dire que a puissance 9 puissance moins 4 est égal à a puissance 9 fois moins 4, c'est-à-dire moins 36, fois a puissance 5 sur a puissance 2 fois a puissance moins 7. Il y a plusieurs chemins là. On va d'abord travailler dans la parenthèse. A puissance 2 fois a puissance moins 7 est égal à a puissance moins 5, 2 moins 7, le tout à la puissance 7. A puissance 30, moins 36 fois a puissance 5, on additionne les exposants, donc il reste a puissance moins 31, et en bas, multiplie les exposants ici, donc moins 5 fois 7, moins 35. Enfin, nous pouvons dire que 1 sur a puissance 30, moins 35 est égal à a puissance 35, c'est-à-dire finalement 35 moins 31, a puissance 4. Deuxième exercice, développer et réduire la différence des carrés de a moins 3 et de a moins 1. La différence des carrés. Donc les carrés de ces expressions, les voici. Et la différence des carrés. Développer et réduire, donc identité remarquable. A carré moins 2 fois 3, 6a plus 9. À nouveau, attention ici à bien travailler avec la parenthèse. Identité remarquable, a carré plus 2a plus 1. Donc finalement, a carré moins 6a plus 9, moins a carré, moins 2a, moins 1. On peut simplifier ici le a carré avec le a carré. Il reste moins 6a, moins 2a, c'est-à-dire moins 8a, et 9 moins 1, plus 8. Nous demande ensuite, avec le même exercice, de factoriser au maximum cette même différence des carrés. Donc je repars de la même différence de carré, bien sûr. Mais cette fois-ci, je cherche à factoriser. On reconnaît la troisième identité remarquable. C'est donc A, enfin, première expression, plus la seconde, fois, troisième, en utilisant la troisième identité remarquable, la différence des deux expressions. A plus A, 2A, moins 3 plus 1, moins 2. A moins A, 0, moins 3, moins 1, moins 4. J'obtiens donc moins 4 fois 2A, moins 2. Et je peux encore mettre 2 en évidence, c'est-à-dire finalement moins 8 fois A, moins 1. Dernier exercice, on va changer de page. Donc, développer et réduire l'expression suivante. Alors, moins, je vais mettre les bonnes parenthèses. 2, moins 2, j'ai encore oublié une. Moins 2, moins x. Voilà. Donc on travaille toujours de la parenthèse la plus imbriquée vers la plus extérieure. Donc on va d'abord travailler sur cette expression-là. Ce qui va me faire moins 2, moins, donc le signe négatif qui est comme une multiplication par moins 1 se distribue. Donc moins 2 plus x. L'expression qui est autour, elle, dans un premier temps, ne va pas changer. J'ai travaillé vraiment que sur cette première parenthèse. Je peux maintenant, bien sûr, simplifier l'expression qui est à l'intérieur
de cette parenthèse, 2 moins 2, ici j'ai une simplification, il me reste, attention, le moins maintenant est seulement sur le 2, il n'y a plus de parenthèse, donc il me reste dans cette parenthèse uniquement x. Bon, j'écris les parenthèses qui sont inutiles ici, bien sûr. Donc x moins 2 au carré moins 2 moins x, c'est-à-dire x moins 2 au carré moins 2 plus x, on me demande de développer, donc j'utilise la première identité remarquable, a moins b au carré, carré moins 2ab plus b carré moins 2 plus x, finalement x carré moins 4x plus x moins 3x et 4 moins 2 plus 2.